Je m'appelle Sophie Swatton, je travaille à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne dans le groupe des humanités environnementales. Je suis maître d'enseignement et de recherche en durabilité opérationnelle. C'est un terme un peu technique. En fait, je suis philosophe de formation, philosophe et économiste. Et le thématique du poste a été dessinée ainsi. Donc, c'est un poste plutôt fléché dans la durabilité forte, c'est-à-dire le fait de réfléchir au croisement entre sciences environnementales, sciences sociales, et que la technique seule, la technologie seule, ne suffira peut-être pas à nous sortir de la crise, même sûrement pas. Et donc, il faut penser différents types de solutions et repenser ce qu'on appelle aussi avec les humanités environnementales. Mon parcours, donc, j'ai été engagée il y a 2 ans. Je suis philosophe de formation. J'ai fait une thèse sur le revenu de base inconditionnel il y a presque 15 ans maintenant. À l'époque, on ne s'intéressait pas forcément beaucoup encore au sujet à l'Université d'Aix-en-Provence, en France. Et puis, je suis arrivée il y a à peu près 8 ans en tant que première assistante au centre Valras-Pareto en 2009 à l'Université de Lausanne pour développer la philosophie économique. C'est peut-être plus audible que la durabilité opérationnelle. J'aurais dû dire ça. Alors ce soir, je vais parler justement, comme je connais bien, je fais une proposition alternative au revenu de base inconditionnel, pas incompatible entre elles, mais différente, puisque j'ai une formation plutôt de philosophe, ensuite d'économiste, et donc je m'intéresse, et c'est le propre de la philosophie économique, à des thématiques qui croisent le domaine social, environnemental, économique. Donc la question de la redistribution, et là en l'occurrence ce soir, je vais parler du revenu de transition écologique, qui, je pense, est un outil parmi d'autres, mais intéressant pour soutenir, accélérer les initiatives de transition écologique et solidaire.